Projet T-Rock. Salut, bienvenue sur Projet T-Rock. Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Colmar pour découvrir Tower the Throne. Je vous ai déjà amené en Alsace pour découvrir quelques bons groupes. Cette fois, c'est du côté de Colmar que l'on va découvrir un groupe avec déjà une certaine expérience, puisque Tower the Throne existe depuis 2012. Et oui, déjà presque 10 ans que le groupe s'est formé, et qui nous sert un death metal de haute volée. Des riffs lourds et incisifs, mais aussi des mélodies magnifiques. Des ambiances sombres à souhait, un univers mélancolique plein de maîtrise et de maturité. Tower the Throne peut faire partie des grands de la scène française de death metal, j'en suis sûr. D'ailleurs, le groupe a eu l'occasion de partager quelques belles scènes, comme les Américains de Prong, les Espagnols de Noctem, les Suédois de Zornheim, ou encore un autre groupe français que j'aime beaucoup également, Fractal Universe. Au niveau discographie, Tower the Throne sait prendre son temps. Si dès 2012 ils sortent un premier EP, ils mettront 5 ans pour en sortir un second. Un EP très réussi, qui devrait plaire aux amateurs du genre. C'est tout, vous allez me dire? Mais comme souvent, je vais vous faire patienter le temps d'un extrait pour vous en parler dans la partie active. Donc la grosse actu de Tower the Throne est bien sûr la sortie de leur premier album qui est tout frais puisqu'il est disponible depuis le 8 octobre. Un album encore très réussi sous le signe d'un death metal aux influences black. Peut-être un peu plus violent que l'EP, enfin c'est mon ressenti, mais toujours un univers sombre et mélancolique. Une release party est prévue le 17 octobre à Colmar pour fêter la sortie de leur album. Ils seront accompagnés de Deficiency et de Swarmageddon. Pas mal de surprises sont prévues, donc pour ceux qui sont dans le coin, réservez vos places rapidement. Sinon, le 30 septembre dernier, le groupe a sorti un nouveau single avec un lyric vidéo, et un nouveau clip est prévu prochainement, donc deux bonnes raisons d'aller faire un tour sur leur chaîne YouTube. Enfin, à plus long terme, le groupe cherche à tourner à travers la France et l'Europe pour défendre leur album, mais malheureusement, pas de date à annoncer pour le moment, donc si des tourneurs et organisateurs regardent cette vidéo, n'hésitez pas à les contacter. Et voilà, encore un très très bon groupe, je sais, c'est usant, hein, mais que voulez-vous, la scène française est vraiment bourrée de talent, et bah, on peut pas faire autrement, hein. Je suis vraiment désolé de vous présenter des super groupes. Tower the Throne, donc du très très bon, pour moi en tout cas, super découverte, j'adore. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le groupe et sur la chronique, et puis bah, si vous avez la chance de les voir en concert, et bien n'hésitez pas à nous raconter ça. Sinon n'oubliez pas qu'il y a le Discord, j'essaye de m'y mettre, c'est pas évident parce que je manque un petit peu de temps, mais j'essaye de m'y mettre. Il faut que je communique un peu plus dessus certainement pour sur les réseaux sociaux, mais si vous avez l'occasion de faire un tour, n'hésitez pas. Allez sur Projet T-Rock, le lien est dans la description également. Et puis bien sûr il y a le Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne dans ses projets et notamment l'aider à financer des compiles, eh bien le lien est dans la description également. Vous pouvez également passer par le Bandcamp, où vous pourrez récupérer la compile gratuitement, mais si vous voulez la soutenir par cette voie-là, vous pouvez toujours lâcher 1 ou 2 euros. Il va être temps de vous laisser, en passant comme d'habitude un dernier extrait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !